Salut les amis, bienvenue pour la suite du let's play de Shadowbringer, le nouveau DLC de Final Fantasy XIV. Et aujourd'hui nous allons voir le petit combat contre Titania, qui est le premier primordial que l'on croise dans cette extension, qui n'est pas très compliqué, juste bien suivre la mécanique qui a été mise en place et tuer les trois mobs qui apparaissent en version normale puis en version géante. Et ça passe tout seul. Je vais vous laisser regarder ça, je vous ai fait ce petit tuto tranquillement. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand c'est ce que vous verrez la vidéo et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye. Let's go.
さすがだわ。私のスネーク。落ちた妖精王を返してくれてありがとう。 同時に王に捧げられる4つの祝福でもあるの。城が開かれるのは妖精王を返す時、そして返した勇気ある者を新たな王として祝福する。でも妖精王を継げば私たちと同じ存在になってしまう。もう二度と人らしく生きることはできないわ。 若木、私の可愛い可愛い人。妖精は永遠を生きる。でもそれはあなたの美しさではないのだわ。届かないかもしれない夢へ手を伸ばすこと、何かを残そうと必死に生きること、それは愛しい愛しい人の特権。 邪魔をする嫌な人たちを。